Alors, coucou dans ce vlog shooting du froid. Comme vous voyez, je m'en vais avec mes bottes en caoutchouc. C'est parce que nous allons dans un endroit extrêmement boueux. Il fait extrêmement froid aussi. J'ai oublié mon trépied, faut que j'aille le chercher. J'ai la flemme. Tant pis, on fera ça. Vous croyez ça va ça en trépied? Moi je pense que ça va. Je peux prendre ça. C'est bien une brique. Une brique c'est pas mal, non? Je vais la mettre dans ma poche. L'un dans l'autre. J'ai presque honte de travailler comme ça et de passer au-dessus de mon portail. J'ai envie de se demander, enfin de se dire que je suis folle. Rien qui va dans mes vêtements, j'ai des bottes en caoutchouc, un manteau, kaki et un sac rose paillette avec mon appareil photo autour du cou. Heureusement que je bifurque vite. Alors, nous allons donc dans les champs. Et plus précisément dans un chemin de terre. Ce qui est pas très pratique, je vous avoue, quand vous voulez prendre des photos alors qu'il n'y a plus. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les flaques d'eau. Du coup, je profite de la lumière de fin de, fin de journée. Parce que j'adore cette lumière, je trouve qu'elle est, magique, c'est la golden hour. Et clairement, j'aime pas trop les photos prises en journée parce que j'aime pas trop la lumière qui est présente. J'ai galère à parler. Ma voisine, elle a mis plein de trucs dehors. Ça a l'air stylé. Oh, je vais voler son tapis, il est trop beau. Enfin, il est vieux quoi, mais moi j'aime bien les vieux tapis comme ça. Je vais l'embarquer son tapis, il est trop joli. Vous voyez, ça passe sous mon bras. Non, pas du tout. En fait, je vais trop le prendre. Alors, choisissons notre flaque d'eau. Bon, voilà, c'est les champs. Hein. J'habite vraiment en campagne, c'est pas pour de faux. Le chemin est caillouteux plutôt. Et ça fait mal aux pieds quand on est en bottes. Comme ça, là, c'est pas plus moche. Des bottes de jardin. Je vais trouver une belle flaque d'eau. En fait, la seule belle flaque d'eau que je vois d'ici, elle est là-bas, mais c'est devant chez mes voisins, ils me connaissent. C'est un peu flippant. Ils vont me demander ce que je fais. Bon, je vais pas aller voir la flaque d'eau là-bas que j'aimais bien, celle-là. Je prends celle-ci. On va voir si ça fonctionne pour ce que je veux faire. En fait, je vois un beau reflet. Mais je crois que. Je vais vous chier. Alors. Vous avez vu quelques-uns des poneys que j'ai emmenés, mais j'ai pas tout montré. Et là, celui qui m'intéresse, c'est Balou, le poney de saut. D'ailleurs, je vais jamais réussir à avoir mon sac à une main. Attendez. Donc, j'ai ces petits chevaux-là, j'ai ce poulain-là notamment, parce que bah, il broute. Enfin, voilà. Balou, je l'ai mis dans la boîte. Franchement, j'ai fait le pire choix pour Balou. Enfin, c'est vraiment chiant de se transporter dans une boîte. Maintenant que j'y pense, hein, c'était pas une bonne idée. Mais bon, on fait avec. Hein. Oh, le poney il est trop beau. Je suis en pleine réflexion sur beaucoup de mon poney. Parce que du coup, si vous comprenez bien, c'est cet angle là qui m'intéresse. Mais il faut que je trouve un bel endroit pour poser mon poney. Donc je vais réfléchir. Le poney est posé. J'espère que ça va aller. Par contre, j'ai beaucoup bougé l'eau. Il y a un chien là-bas qui m'a vu. Du coup, il arrête pas d'aboyer. C'est très chiant. Et j'espère que ça va pas trop gêner. Parce que du coup, ça fait des petits résidus là. Enfin voilà. Ah, oh, j'avais pas vu. On voit même la lune. Attendez, je l'ai perdu. Mais on voit la lune. Elle est là. C'est parce que sur mon angle, je la vois plus. Oh, c'est trop beau. J'ai hâte de prendre une petite photo. J'ai installé mon caillou, enfin ma brique. Voilà, c'est ma brique. Je vais m'installer. Là, ce serait le moment rêvé pour que mon voisin y débarque. Donc voilà, le poney est en place. Je vais prendre mes petites photos. Big up à mon voisin qui vient de passer, du coup je me suis décalée, il est grave sympa. Voilà, c'est tout. Reprenons les petites photos, parce que du coup bah, j'ai tout débarrassé, parce que sinon il allait rouler sur mon poney. Oh mon dieu quoi. Il est temps pour ce poney, ah de près il est tellement moche, de rentrer en scène. C'est un cheval que je prends pas assez souvent en photo je trouve. Enfin, j'enlève ce moche caillou là, excusez-moi je parle au caillou, que je prends pas assez en photo je trouve, mais franchement il a du talent. Donc je vais me faire un plaisir de photographier un petit peu, histoire que vous voyez un petit peu sa petite bouée. Bon ok, de près il est pas beau, mais vous avez compris. Je suis un peu bizarre à voir sa maman.
je viens de faire quelque chose d'horrible. J'ai fait tomber ma lanière dans la bouillasse. Je suis dégoûtée, il faut que je la nettoie. Je me rendais pas compte à quel point c'était compliqué de faire un vlog shooting en fait. Parce que là, du coup, j'avais complètement oublié de parler. Enfin, j'avais arrêté de filmer en fait tout court. Oh purée, c'est trop beau comme ça. Faut que je fasse comme ça. Ah, attendez, je découvre des trucs en même temps que vous. Genre cet angle là, il est nickel. Oh non, j'ai encore mis, j'ai mis ma lanière dans l'eau. J'en ai marre. Je vais rentrer, je vais la nettoyer. Je vais là. Je vais vous présenter ce que c'est la galère. Ouais, bah pour maintenant, vous devez vous dire, ma lanière est dégueulasse. C'est à dire que j'ai perdu mon cheval. Si j'arrive pas à faire mes mises au point correctement, elle est tout le temps pas nette. Du coup, je vais la faire à la main. Là, c'est le moment où shooting où t'as une idée vraiment débile qui serait de faire marcher ton cheval sur l'eau, ce sera Jésus. Et du coup, il faut la réaliser avec des petits cailloux sous les pieds. Du coup, je vais pas vous montrer comment je vais mettre mes petits cailloux, mais je vous explique juste que je vais faire ça en gros. J'espère que ça vous plaît hein, quand même. C'est sur ce ciel que se termine notre petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Oh mais le chien. J'ai discuté vite fait avec mon voisin, excusez-moi du coup. Et bah je vous dis à très bientôt. Bye bye.